et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Cher Père Benoît, Père Philippe, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Bonsoir, Père. Nous voici rassemblés ici cet après-midi, ce soir, pour chanter les merveilles que le Seigneur a réalisées dans la vie de notre Maman du Ciel, la très sainte Vierge Marie, la consolatrice des affligés. Au début de cette célébration eucharistique, vous et moi, tous toutes, nous sommes invités à reconnaître devant le Seigneur nos limites, nos iniquités, demandant au Seigneur de nous prendre en pitié. Je confesse à Dieu tout-puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et j'ai tellement péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les sanctifs de la Seigneur, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier par le Seigneur. Continuons par implorer la miséricorde du Seigneur. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie du pardon reçu, le Seigneur, chantons gloire au Père, au Fils et à l'Esprit. Yeah.
Comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 8, versets 3 et 4. Voici les paroles que dit le Seigneur. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette engeance de rebelle. Ouvre la bouche et mange ce que je te donne. Alors, j'ai vu une main tendue vers moi, tenant un livre en forme de rouleau, elle le déroula devant moi. Ce rouleau était écrit au-dedans et au-dehors, rempli de lamentations, plaintes et clameurs. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël, j'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau et il me dit, fils d'homme, remplis ton ventre, rassasie tes entrailles avec ce rouleau que je te donne. Je l'ai mangé et dans ma bouche, il fut doux comme le miel. Il me dit alors, debout, fils d'homme, va vers la maison d'Israël. Est-il lui ma parole? Parole du Seigneur. Amen.
Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu, chapitre 18, les versets 1, 5 et suivants. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. » Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Thank you.
Très cher Père Benoît, Louis Philippe, responsable de cette chapelle, sous le vocable de Notre-Dame de l'Annonciation, de l'Assomption. Très cher ami et dévot de Notre-Dame de l'Assomption. Bonsoir. Merci de votre présence ici cet après-midi. En entrant ici dans cette chapelle, alors à la porte de ta mère, le Père Benoît, il m'a dit ici, il n'y a pas de créole, c'est du français. Tout doit se faire en français ici. Donc arrange-toi, mon frère, mon fils, pour dire ce que tu vas dire en français, parce que ici, on ne comprend pas le créole. Entendu. C'est pour ça, non? C'est juste pour faire rire. Donc, nous sommes là, effectivement, cet après-midi pour louer le nom du Seigneur pour toutes les merveilles qu'il a réalisées dans notre vie déjà par l'intercession de notre Maman du Ciel, Notre-Dame de l'Assomption. Dans tel permettre de voyer ma main pour me partager avec nous après-midi. Je crois que l'un a livré, l'un a mené en si je ne me trompe pas, que nous avons un peu vite passé moins. Comme dit encore Marie, consolatrice de ceux qui pleurent. Donc voilà, consolatrice des affligés à la page 35. Voilà. Moi, je fais toute gymnastique. Pour moi, si ma jeune petite parole en bas pour voir l'Esprit Saint pour me partager ensemble avec nous, mais c'est peine perdue. Donc, j'ai pas pu vraiment retrouver quelques mots justes pour partager avec vous. Mais moi, fait une petite réflexion, un petit voyage en dedans la Bible là, et nous allons regarder qui ça nous rejoint, qui capable correspondre avec tel que Père Benoît m'a demandé pour nous partager après-midi. Marie, consolatrice des affligés. Le m'a fini deux petits mots sur le thème Sahara, mais quand même, m'a dit un petit mot sur l'évangile après-midi pour monde qui peut être un monde pour valeur sociale, pour valeur économique. M'a dit un petit mot sur monde qui a valeur, valeur, un monde qui n'a pas de moyens, pas de capacité. Le bâton est au monde, même si parfois il y a un droit pour avoir toute la valeur que vous avez. Et contre la consolatrice des affligés, si nous prenons tel nom, on a dit presque Jean-Maud à part devant nous, si nous dit consolatrice, Noël, le monde qui est là qui a consolé. Le monde qui a consolé, son monde qui a fait conseil. Son monde qui a dit une petite parole, son monde qui a encouragé un monde qui est découragé, qui est désespéré, qui est fatigué dans la situation, eh bien, les jeunes ont des folles pour la piété, les jeunes ont mots de consolation, les jeunes ont mots de réconfort, les jeunes ont paroles qui peuvent permettre que ne pas éteindre la ville, ne pas tuer tête vie, eh bien, il est comme ça, consolateur, consolatrice. Donc, mais moi-même, côté de vérifier avec l'après-midi. Si le Marie dit ça, consolatrice de ceux qui pleurent, consolatrice des affligés, et pour qui ça? Si Marie l'hypothétique ça, qui ça fait? Il est capable de poter, et s'il poter, mais qui ça, ça est capable de poter? Si nous faisons un voyage dans la Bible, montrer pour nous quatre épisodes. Qui permettre de comprendre Marie comme étant une consolatrice. Mais avant de venir à l'épisode, l'aide du monde, c'est consolatrice, monde qui a affligé, monde qui a souffri, c'est parce que il fait expérience déjà. Il fait expérience souffrance. Il y a un monde qui ne peut jamais grand goût du tout, un monde qui grand goût capré de vente, pour lui, ça ne va pas dire rien du tout. Parce que lui n'a pas fait expérience dans nous. L'autre, il a grand goût, il n'a pas compte ça veut dire. Même pour la guerre, on a dit qu'ils ont malhéré, fait vivre. C'est ce que ça, ma femme, on a fait la guerre avec lui. Même qu'ils pensent qu'on a joué, ils ne peuvent pas jouer avec ce que ça. On a dit qu'ils ont malhéré, fait vivre. Parfois, on passe maintenant, on joue. Ils vivent quand même. Alors, l'aide Marie, c'est consolatrice des affligés. Qui ça, qui fait l'hypothétique ça, c'est parce que madame ça,
les passer déjà par la souffrance. Les connaissent les souffrances. Les vivent souffrance. Et c'est parce que les connaissent souffrance déjà, les vivent souffrance, qui fait que nous allons utiliser donc la Bible-là, car maintenant, deux, trois épisodes, côté que Marie, lui-même, était souffrée, les connaissent souffrance. Et c'est ça qui fait que les capables d'apporter soulagement au monde qui a souffert. Il y en a un premier épisode que nous regardons ensemble, c'est Annonciation. Annonciation, nous venons dans Saint-Luc, chapitre 1, verset 26 et suivant. Qui te dit non? Marie, tu as un projet pâle. Il était un projet pâle pour faire affaire, pour le marier avec Joseph. Elle a eu son projet d'enfanter, son projet de bâtir sa famille. Donc, toute bagarre était préparée pour que l'idée lance lui dans la vie familiale, la vie sociale. Brusquement, il y a un monde, un ange, un messager par être demandé. Qui s'en dit lui, Marie, donc on reste parole là. Bon Dieu choisi, ou fille, maman, sauveur, etc. Et là, Marie sentit que il un peu troublé. Pour qui ça? Parce que lui n'a pas projet ça, son ange l'avait dit. Il dit, bon, comme je ne peux pas obtempérer, donc à ça, bon Dieu, vous dit, il dit, mais dis-moi que je ne vais pas faire, parce que vous ne comprenez pas ce qu'il a du tout. Et c'est là, Jean-Jean parle avec lui pour dire, l'Esprit Saint viendra sur toi, et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Marie dit, que la volonté du Seigneur soit faite. Bon, voilà, non? Ça va pas souffrir, ça, non? Même si il y a toujours, oui. Parce que l'on a un projet par an, pour le faire. Par exemple, pour régler, on a une devant, il vient contrarier. Pour là où ça va passer, bon, tu as l'air quand même dans le cœur, parce que tu pas de ça dans le plan. Mais c'est pas mon problème de ça. C'est le Marie qui a rencontré Dieu avec Forman avec Joseph. Ça dit Joseph. Il dit Joseph, bon, et comme si je t'ai compris, mon petit Jean pas fini trop à l'aise, je me sens dit, qu'on a marché bien propre pour y avoir, de temps en temps là. On va dire, il sentit qu'on va garder dans la bouche à tomber, mon problème, et puis Dieu m'a regretté, pas passer soigné là. Parce que Dieu m'a demandé, c'est qu'il y a un monde qui peut un côté pour appuyer le cachet à terre, pas vrai? Il ouais, Marie commence à plaquer des bagages à terre, comment un problème arrivé, toi qui prends du roman, l'abdomen dans le qui ça Joseph te dit? Il dit, regardez, nous pas besoin d'un nous, nous parlons pas d'un pays. Qui ça, il te dit, Marie? Il dit, regardez, ramassez la vie. Prends des roches, nous te gagnons, regardez, nous pas besoin, ouais, passez la porte par derrière, à qui côté? À le maman, à la carrière. Parce que, ou pas mon propre. Et par contre, ça ne déballe. Nous avons ce projet. Soit après, nous n'avons pas compris. Dégagez-vous, répondez-vous. Ça n'a pas souffrance. Il n'a pas souffrance. Mesdames, il n'a pas souffrance. Laurent, c'est mon nègre. Non, figure carrément. Il n'a pas d'eau. Il n'a pas voulu. Et pour souffrance liée, pour souffrance liée, et pour déception liée, tout le monde va pouvoir. Non, pas vivre, puisque déception, humiliation, qui ne sont pas déjà encore. On connaît ce pour lui. Parce que, excusez-moi, même si nous sommes sous micro, mais nous ne pouvons pas sortir sans des autres. Parce que n'a pas gagné pour le petit petit là, il préfère les petits là-bas. Mais elle ne souffre pas son, ou pas entrer dans le ou pas parler, ou pas parler. Et bien ça vient. Parce qu'elle n'a pas carré par l'école là, parce qu'elle n'a pas carré par l'école là, carrément qui s'en dit, il dit, hey, petit là-bas, vous m'avez. L'homme, vous campez devant une femme qui est sainte pour vous. Pour dire petit là, pas pour vous. C'est un crime. C'est criminel, oui. C'est criminel, oui. Et parfois, mon Dieu, comme fait, petit ça, ou dit qu'il pas pour vous. Un, les puissants avec vous. Deux, qui le vend, vous avez aussi les mêmes qui parlent de mon toile pour le passer en bas, pour le passer en haut. Je suis un exemple devant vous. Ma jambe petit, et ma jambe moitié, nous sommes exemples devant nous qui l'a joué. Même si papa n'a pas attendu, côté de notre pays étranger, il te dit, ma petite. Et si papa me quitte bien, que je dis, même si reste petit, mais je peux te bâtir avec une naissance,
pour justifier de ces petites papas, mais moi, je n'ai pas besoin de voter. Ah, il y a du tout. Je ne vais pas faire seulement m'arrête. Il y a bien, aïe, ces petites intermédiaires. C'est toujours pour ça. C'est toujours pour ça. Donc, Joseph dit Marie, vous regardez. Allez, c'est en souffrance, vous, madame. Pour diable, Marie n'a pas qu'à couper avec lui. Qui ça, Marie fait? Marie ramasse le paquet de lui, et lui, il y allait. Mais Salom dit, c'est pas ça, bon Dieu dit. Bon Dieu fait tomber par Joseph, et puis le délégué en singe, il dit, regardez, Dieu, comment ça passe? Les gens qui entendaient, son bon madame, ou bien non, non. Son pensée, elle pas ça. Ça ne nous l'est pas ça, ça ne voit pas ça, ça ne nous l'est pas ça, qu'est-ce que madame Sawa, c'est là, et la bonne Pierre, et la bonne Jacques enceinte, c'est pour moi l'enceinte. Et puis, il parle de la protéa, quand Joseph Marie Philippe, il fait des bien. Il a dit, il dit, et bien, Dieu de la soeur, la vie côté, à la tête de Marie, on a les noms, on en a les noms. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. L'homme repose. Je dispose, les hommes toujours bien projet parlent, mais nous tous nous comprenons ça, vous te mettez 10 000 projets pour faire tout. Ce projet pas bon Dieu, il n'a pas ça. Ave Maria. Donc, dans l'annonciation, mais en première page, l'évangile qui montre nous, Marie, t'es passé par la souffrance. L'un des gars dit, puisque la papouille, qui s'en va faire? Son coup de pouille, son coup de couteau de blanc. Mais en première souffrance, Marie Blanc, dépit dans l'annonciation. On a toujours. On a les noms, page naissance Jésus. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 2. Ils ont lancé un recensement. Ils ont demandé pour tout le monde à recenser la caillou. Marie, Joseph, le déplacer qui côté. Il y allait Bethléem dans le pays Juda. Il y a fait qui ça? Il y a fait recensement. C'est ça, l'empereur Auguste s'est passé l'homme. Les madame arrivées dans le recensement, ça passait les. Les arrivées, neuf arrivées, puis ils n'ont pas capable d'être encore dans le pays. Pourquoi? Pendant ce route, vous ne parlez pas tout. Parce que Marie pas descendre dans l'engagement quand même. Mais c'est pendant le déplacé, je vous dis, moto, machine, avion, bicyclette, fait trajet, il pas tellement long. Mais dans tout ça, vous êtes censé faire un palais royal, il faut que quelqu'un qui vous mène. Marie, pas de ni cheval, vous te mène ni, ça a pied, il y a trop de imaginez-vous, aux femmes enceintes, pour dire, pour primer lui, il faut la recenser quand même. Pendant ce route-là, ça passe, tranché, il y a prendre. Douleur, il y a prendre. Calamité a pris, calvaire a pris, et nous-mêmes qui fait petit déjà, nous connaissons, il n'y a pas qu'à être en haut, Jean Lié, quand elle tombait, il tombait, ou qu'à se chauffer à son tombé. Mais oui, comment faire manger à quoi pour casser les eaux, pour vider la terre. Mais pas pour un jardin, pour faire ce qu'on a. Quand il y a des fois, il y a un qui vient dans l'hôpital, on est sous le lit. Mais quand il y a une jeune fille qui est enceinte, elle est arrivée, on est sous l'air. Mais dans ton moment, on t'a prévu. Même si il y a 9 mois, il faut la arriver à moi-même. Comment ça dit? Comment ça dit? Il va même changer. Vous dites, il a me compté, j'ai dit la lune et pas ça, et 50 la lune. Mais quand on entend, il dit la limite qu'on a fait. Qui va l'aider? Seulement comme des meufs qui viennent trancher, c'est qu'il va y arriver. Mais pendant Marie vient trancher, bah, elle a fait mal là, il parle à Kaili, qui ça le fait? Il dit au côté, il dit nous n'ayons souplés. Même nos services, nous ne sommes pas même besoin de dire. Ça va te répondre, regardez. Pas de place pour mon enfant pour ici. Pas de place pour ici. Tout le monde va frapper. Vous dites pas de place pour vous. Et pour souffrance liée. Et pour déception liée. Madame, ça n'a pas consacré souffrance. Non. Il connaît. Là, on a souffert. Il connaît sa souffrance. Aux femmes qui enceintes, qui peuvent se raccrocher. Les rives ont côté. Non, des côtés. C'est pas regarder, mon Dieu. Et bien, on a l'hôtel là. On dit même la guerre à terre devant pendant la ferme. On dit non. Pas une ferme là. Qui est trop blanche à l'autre côté. Il est obligé d'aller à la belle étoile, côté sans limite pour manger, la l'enrage est là et là, met Jésus à terre. Il va souffrir? Ah non, il souffre. Il souffre. Il est vu souffrance. Petit qui va le faire, il a envoyé le traité. Mon deuxième épisode qui montre nous, Madame Sarah, l'économie qui a souffert, l'économie goût souffrance. Troisième épisode.
Luc chapitre 2, verset 35, 34, 35, plus verset 51. Quatrième station, regardez pour Noël, ici là. Quatrième station. Que dit donc Jésus rencontre. Qui est-ce pour nous? On a les noms. Jésus rencontre sa mère. Jésus rencontré avec qui est-ce pour nous? Avec Mamanie. Mamanie, au seul petit arrière, ma mère. Il est venu à un père jeune amène. Il est venu avec un patron jeune amène. Qui a le jeune? Les jeunes, deux, trois bourreaux, deux, trois vagabonds, sans foi, ni loi. Qui s'est en fait petit là? Comprendre? Deux jeunes, il a fait torturé, il a maltraité. Hein? Souffrance petite, c'est douleur. Maman, à la souffrance subtile. Globé et jeune. Tant que dans la peine, quatrième station, chemin de la croix, Noël, là, là, vous connaissez. Marie, quand elle a gardé sa non, il va qu'à approcher. Imaginez-nous, pour qu'on petit vagabond prenne, il y a battu, il y a craché sous lui, ou quand elle a, ou pas qu'à longer, mais ou pour qu'il n'a pas fait ça, ou pas qu'à passer son choix dans le milieu, sur le chemin de la croix. C'est mesdames Jérusalem, oui, qui étaient dans une toile, nous passer dans la figure de Jésus. Marie, je ne suis pas capable de faire nous. Non. Quand vous connaissez maman Mie, quand elle parlait, est-ce qu'il y a un dissoudi? Est-ce qu'il y a un dissoudi? La garde seulement, il était passé par les événements. Il va souffrir. Et mon souffrance, pour assister petit tout, que vagabond prend, il y a un torturé comme ça devant Dieu, ou pas qu'à dire rien. Non. Souffrance, ça, il était vivre. Souffrance, ça, inutile, tu coupes ce chemin la croix, il dit ça. Terminons avec mon dernier épisode, Jean, chapitre 19. Chapitre 19. Malgré tout ça, il a dit sous Jésus, malgré tout ça, il a fait, peut-être, Marie te comprend, que tu as pas eu mon côté, que tu as eu pitié pour petit. Il a été à la guerre. Il était qu'à libérer, ça n'a pas suffi. Il est trompé dans pied la croix, devant Jésus, ou bon clou. Si on regarde les scènes, ouais, c'est la septième station, pas la deuxième ou septième station, côté que c'est un seul monde qui a pleuré Jésus ce soir. C'est trois mondes. Dans la deuxième station, c'est trois mondes qui a pleuré Jésus ce soir. Dans la bagarre bien pour nous. Pour chaque, on m'a donné un meilleur à tout. Imaginez-vous, ou maman ou timon. Ou maman ou timon. Pour prendre petit la main, on jeune garçon, 30 ans d'amour, plein à vie de mari, ou compter sur lui, pour les deux fois dans une situation difficile de moi. Pour avoir 25 gouttes, pour avoir un paquet sec, pour maintenant choisir, pour boire un café. Tout avoir dépensé, passer dans lui. Et puis pour être vagabond, sans foi ni roi. Qui s'en va avec lui? Ou pas pour. En matin, et puis il y a tout béni devant Dieu. Ça va suffire. Le lever, croire, montant en l'air, ça va suffire toujours. Mon dernier règne, mon dernier méchant, mon dernier malveillant, qui ça fait les mêmes, il faut qu'on coupe quand même. Jésus dit il soif. Là, il prend un lance, il prend un pic, et puis qui ça fait les mêmes. Il faut une bonne contenu. Marie a regardé tout le reste. Marie a regardé tout le reste. Elle a pris tout le reste. Oh maman, petite là, mais pas fait mon yo. En maudit. Mais qui ça le fait l'homme? Qui ça le fait pour? Pour ces sages là. Vagabond ballon lance. Même côté là, sans accroupir. Jésus, pourquoi mourir? Lili, soif! L'histoire, je pense à trois mots. Pour avoir déchiré même, lance la peste de ma famille. Mon côté de l'histoire, qui ça va faire? Il y a une branche. Il mettait vinaigre là-dedans. Et puis, qui ça va faire? Il a fourré le pauvre aussi. Pour le pauvre vinaigre là, trois pour les papas se portent encore. Il va souffler. L'elfine va souffler. Marie-Campé là, tout ça, un pied la croix.
Après ça, il descend Jésus sur quoi? Avec permission, chef Dieu, il peut être venu, il prend un cadavre là. Il prend un cadavre là, et puis il dit, madame, non, mais cadavre là, 13e station. Il dit, mais qui ça Marie fait? Marie mettait sous chambre. Doit pour nous, même s'il y a mauvais l'odeur, ou pas qu'à couper le jeté. Garde pour nous, 13e station. Marie mettait petite là, sous jambe, la passée, mais la figure dans tout le corps, parce que c'est pour les lier, il n'y a pas qu'à jeter. Parle, c'est parle, et pas qu'à l'autre. Voilà. C'est toute réflexion sérieuse. Plus son paquet l'autre côté encore. Dans la Bible, là, le nom Cadéo, nous dit, madame ça, madame sacrée, les mamans Maria, les pas n'importe qui nous, les victimes, les passées souffrances, les grandes nous souffrances, les grandes, les mon a souffert. Donc, travail pas, mission pas, il pas d'accord, on souffre, tout le côté qui est souffrance, il est là pour capable soulager souffrance. Je termine avec mon dernier épisode pour montrer nous qui Jean, Marie pas d'accord, on souffrir. Jean chapitre 2, dans l'Oscana. Marie, ouais, que mon capable de pas de honte, il n'y a pas de souffrir, il n'y a pas de la peine, qui s'en fait, là encore, petit pia. Il dit, garçon, regardez, mon yo, pas gagné du vin. Dégageons! Marie dit, Jésus, dégagez-le. Jésus, dégagez-le, lui fait l'eau tourner du vin, donc lui intercéder. Marie parlait, donc petit la côté, l'eau tourner du vin, donc Marie, pas d'accord, toute souffrance, mon Mario n'a pas le droit. Les potes, consolation, pali, les potes, touche pas, les potes, tigou, pali. Donc, c'est motif ça, yo, avec un paquet l'autre encore, qui fait que, yo, ben, Marie, côté non, consolatrice, des affligés, tout le monde qui a crié, tout le monde qui a brûlé, ben, nous parlons ensemble avec lui, et puis nous allons ensemble avec lui, les mêmes, la fête, des rassures pour nous, parce que, elle a connu la souffrance, donc, il est capable d'aider tout le monde qui a la peine, qui a la souffrance. Donc, entre autres, message que vous devez partager ensemble avec nous. Je dis à pour être capable de faire vous connaître que si là, on a préparé pour célébrer les 15 autres qui ont prié là, Marie, Notre-Dame de l'Assomption, eh bien, mandat Pali, mission Pali, c'est faire intervention pour tout le monde, tout le côté du passé. Chaque fois, Marie fait apparition, par les dernières techniques, ça, c'est déjà. Chaque apparition, Marie fait son grâce du côté pour tout le monde qui a vu nos honneurs et ceci. Grâce à Lila, donc pour tout le temps. Donc, nous venons après Lila pour nous parler ensemble avec lui, pour nous porter prière, souffrance, pour nous, consolation, pour nous joindre à travers les mêmes. Et quittez-nous finir net, je me dis là, avec page l'évangile, nous étendons aujourd'hui. Nous avons parlé sur les matins, nous avons parlé sur les matins, nous avons parlé sur les matins, nous avons parlé sur monde qui gagne, c'est eux-mêmes qui monde. Ou bien machine, ou bien taille, ou bien travail, ou bien parler français, ou bien font lecture, ou bien monde d'ailleurs, ou bien monde. Il y a beaucoup de valeur. Mais l'on pas de moyens, l'on pas de monde d'ailleurs, dans une situation difficile, ne pas considérer comme monde. Pour qui ça, on dit ça? C'est en réponse à la parole bon Dieu, l'entendez dans Saint Matthieu pour après-midi. Les pharisiens ont pour nous approcher contre Jésus, ils ont dit, maître, qui est-ce qui est grand dans le royaume ciel-là? Qui est-ce qui est grand? Qui a plus de valeur, plus de force, plus de monde? Jésus dit, nous devons une question qui a plus de valeur que le monde, et il vient dans le monde petit. Il met le peuple. Dans le temps, il dit, tout le monde qui veut gagner valeur, on vient agir en courant ce monde petit. Donc ce monde qui petit, c'est l'innocence, son sagesse, son égaré, qui devant nous, il n'y a pas rien du tout. Donc Jésus m'a dit pour vivre dans ce monde, vivre avec sagesse, humilité, faire nous tout petit, pour que ce n'est pas les hommes qui levaient tête non, j'en chantais à Bill. Donc suspendre lever tête non devant les hommes, mais en lever devant mon Dieu plutôt, en demander mon Dieu pour garder nous, pour connaître nous. J'ai toujours aimé dire, au lieu c'est les hommes qui levaient tête nous, bonjour, qu'a mettez là. Ma beau dit non. Je dis, au cas où les hommes qui vont côté,
Je vous dis, pas qu'on les hommes qui ont pris un temps avec vous, qui ont fait une blague avec vous. Oui, si c'est pour lever tes tout, la bouquet lever tes tout. Mais ça peut arriver, bonjour. Même les hommes, ça, ou même ta pression, qui t'a enchéri, qui t'a levé tes tout, bonjour, il t'a baissé tes tout, Mais, bon Dieu dans le ciel là, il t'a commencé à lever tes tout, même l'autre a fait erreur de manier jamais. Les marchands prennent tout pour les fesser. Autrement dit, moi-même, ou même nous, mandat, on va voir, nous levons tête monde qui est bon pour nous. Nous levons tête monde qui est bon pour nous. Nous levons tête monde qui utilise nous. Nous levons tête monde qui gagne. Nous parlons de toute tête. Oui ou non? Oui. Oui. Nous parlons de toute tête. Les hommes parlent de toute tête. Il y a peut-être les hommes levés, il y a peut-être les hommes pisselés. Et bon Dieu dans ce ciel-là, les levés. Peut-être, je dis, on prend le son à même bon Dieu pour quitter bon Dieu levé tête non. Et même si les hommes tapent ces têtes non, bon Dieu a levé quand même. Amen. Nous nous mettons debout pour proclamer notre foi au Seigneur. Ensemble, disons, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut, et descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a péché à la pendant ce transpirat, il souffrit sa passion et fumit son tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son frère aura ta vie. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit une adoration et une gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du mort à venir. Oui, quand nous prions, nous adressons au Seigneur nos intentions les plus dures. Nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier pour l'Église universelle et ses pasteurs. Nous allons prier pour Haïti, prier pour chacun, chacune de nous ici présents, pour ceux et celles qui nous reçoivent, qui nous suivent à travers le net. Avec chaque intention, nous chanterons ensemble. Thank you.
prions pour l'Église. Avec notre mère, nous te prions pour l'Église, qu'elle soit témoin de ton amour miséricordieux dans notre monde meurtri par la violence et la guerre. Seigneur, nous te prions. Avec notre mère, nous te prions pour les chefs d'État qui recherchent à vraiment dialoguer entre eux afin de résoudre les conflits sans recourir à la violence des armes. Seigneur, nous t'en prions. Avec notre mère, nous te prions pour les personnes qui posent des actes bavards en vue d'imposer leur manière de voir, qu'ils prennent conscience des mots qu'ils commettent ainsi envers les autres, que Dieu leur pardonne et leur donne un cœur de chair. Seigneur, avec notre mère, nous te prions pour tous les pays du monde qui traversent des événements difficiles, que Dieu les bénisse. Que chaque peuple, avec ses gouvernants, résiste à la tentation de se précipiter dans la guerre. Seigneur, nous t'en prions. Prions encore le Seigneur. Que c'était tout, frère, la prière pour là. Que c'était tout. Que c'est devant mon Dieu. Parle ensemble avec mon Dieu aujourd'hui. Les monde qui est là pour c'était tout seulement pour rappeler ceux. Pas aucun valeur l'évangile. Tout ça qui vient dans la bouche, la gueule dans la figure. Aucun respect pour vous. Les gens qui vont prendre ton champ pour tous les pieds, pour croquer, car ils n'ont pas besoin encore. Pourtant, la penche au monde qui n'a même besoin, qui n'a même connaît s'il existe. Les paroles qui disent, par exemple, de votre vie, c'est le pour lui ça. Parce qu'il n'y a pas au monde. Parce qu'il n'y a pas au monde pour lui. Et c'était pour la prière. Grand maître, nous qui baissons devant, nous faisons lever. Je veux dire, peut-être nous baissons devant. Avec gros danger, avec gros calamité, gros rêve, gros souffrance, gros rêve, gros projet. Ce n'est pas les hommes qui nous demandent. Ils ne sont pas capables, ils ne sont pas faits pour nous. Mais ça, avec nous, nous avons parlé ce jour-là. Le huitième jour, le 25. Dis-moi beaucoup, non. Nous sommes petits tout. Nous avons traversé le salon longtemps. Papa, fais-nous une jambe et vous misez ça. Vous tracassez ça. Vous déceptionnez ça. Vous vieilles paroles ça. Fais-nous une jambe et non, papa. Nous moquons. Nous fatiguons. Nous comptons sur vous. Nous pauvres. Bon Dieu, écoutez, nous sommes des pauvres capables aujourd'hui pour nous-mêmes à Colombie. Écoutez vers nos papas, même si nous sommes pécheurs, nous n'avons pas mérité ça. Mais faites ça pour nous. Nous demandons tout ça. Par pouvoir, Jésus-Christ doit maintenant. Amen.
Thank you.
ensemble au moment de faire la Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille favorablement, Seigneur, cette raison que, dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Faire qu'ils deviennent, par ta puissance, le sacrement de notre salut par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le bon notre cœur. Rendez-vous envers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en ton lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donne de répondre à tes bienfaits. En te rendant grâce, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la voix en proclamant une seule voix. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. De ton Fils, notre offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marie-Madeleine Assomption, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur notre sans-fin. Sur ces seuls qui nous offrent cette Eucharistie, sur ces seuls qui conçoit nos prières, nous prions pour le Père de la Nocha. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous en part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous disons avec confiance, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas. Délivre-nous de Thomas, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartient le règne de la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
que la charité de Christ donnez-vous la paix. Celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement les paroles que je suis. Thank you.
Nous nous mettons debout pour rendre grâce au Seigneur. Thank you.
Cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qui nous affermisse dans la lumière de ta vérité par le Christ notre Seigneur. Saint-Léo Sceau, à Béoula, mon liturgie chapellant, frère Monseigneur, bonsoir. Bonsoir, père. 8e jour, nous sommes là, vous voyez. Pas seulement 8e place, nous sommes là, niveau, parce que chaque jour, on a avancé dans l'autre niveau. Donc, nous disons Dieu merci pour nos chefs qui viennent l'appeler ensemble. Chaque mois, qui vient pour la première fois, si bien nous venons la première fois, donc, on peut dire en plus de semaine, on va passer la table dans les derniers jours. Ouais. Donc, là, je vous remercie. Pour nous tous, magnifique. Merci, mon Dieu. Merci. Alors, on dit bon Dieu, merci à nous. On se trouve avec vous, non? Avec vous. Merci. Merci. Pour chaque grâce que vous recevez, pour la grâce que vous recevez, pour le déblocage, pour la fête qu'on arrive, ou le déblocage qui fait déjà. Ce matin, en douleur de guérison, je vous vois déjà, bon Dieu, à continuer, soulager, souffrance, nous, maladie, nous, grâce à maman, donc Marie. Parce que par lui-même, pour le toucher, nous veut dire tout le monde merci. Chaque humilié, depuis 8 jours, ça, il dit pas la con la grâce. Hein, chaque depuis 3h30, rendez-vous du côté, ici, ici, là. Donc, il y a un monde qui dit pas de payer, pas de manger pour venir de l'église. Bien honnête, nous disons tout merci. Il faut la faire, et dans le pays, nous souffrons un peu, nous avons souffert comme ça. Marie souffre un peu, son maman qui compte douleur, qui compte souffrance, qui compte maladie, elle est là pour être capable d'aider nous dans toute charge, nous, dans souffrance, nous. Bon Dieu a toujours avec nous, mon mari a toujours avec nous. Pour toute équipe de l'inspiration, l'équipe de voyage, tout merci, tout musicien, on dit tout merci, tout petit jugement, nous disons merci, abeille, on fait que nous disons merci en pile, l'équipe animation, merci en pile pour nous tous, c'est là qui rejoignent nous à soi, merci en pile, nous disons toute équipe Radio Fatah, merci en pile, nous disons Erin, merci, il a depuis 8 jours avec nous disons activité, l'Église catholique, merci, le bon qu'il a avec nous. Nous espérons en faire la semaine avec nous, oui. Hein, avec nous, jusqu'à jeudi, nous espérons ça, bon, toujours avec nous. Pour permettre un peu l'autre monde qui va vivre la foi, la prière avec nous en tant que chapelle Notre-Dame. Nous vous disons un gros merci à chorale. Croyez de délivrance, hein, croyez de délivrance. Il y a un petit dog, un petit capicha, c'est comme ça, c'est un grand terrible. Mais si on gros animateur, on a animé la route, et pas comme un gros, on va animer le sentier, mais on va animer Notre-Dame à Soya. Et moi, je dis tout merci, qui fait déplacement, qui travaille, qui prend temps pour nous répéter, qui prend temps tôt, on dit à Michel Bert, on a bien chanté Notre-Dame à Soya. Mais à tout merci, à parrainement. Est-ce que parrainement? C'est à
Accueille ton père, nous bien accueillir. Merci. De venir avec toute famille, avec la famille de notre domicile, papa Wao. Donc, un nom de gros, gros bravo. Et mon Dieu, merci, merci, merci. Sans faire de la de voir. Comme nous espérons, nous avons toujours participé avec nous en tant qu'activité chapelle. Et nous comprenons dans notre temps, j'en ai animé, j'en ai bien aidé nous vivre la messe là. Et remercions ces deux amis qui sont au saut. Merci à soi. Que fait tout le monde par les français élèves. Je ne dis pas par les français, par les français élèves. Depuis que nous avons parlé de la vous voyez ici, dans les événements, on n'a pas les créoles seulement, mais seulement en Bruxelles en français. Alors, nous allons découvrir en tant qu'histoire la vie Marie qui souffre en ce moment. En tant qu'histoire la vie, pas nous, nous chats, nous gagnons l'eau souffrance là, l'eau maladie par nous. Nous avons dit ça qui a nous, pour que ça soit la BD, nous avons dernière fois. Nous avons fait l'observer de nous hier, toute maladie que nous gagnons, tout ça a ravagé nous. Marie lui-même fait expérience souffrance dans la vie parle, dans la vie d'église. Et c'est maman qui a aidé nous côté souffrance. Nous avons dit, nous allons pas en haut, nous allons en bas, nous allons devant, nous allons derrière. Souffrance dit en pile. Même quand Marie a rencontré le petit en Jésus, qu'elle a péché, mais elle a une histoire. Quand tu fais même une histoire, Bagayo dit que nous avons une histoire. Pays a dit, mais nous avons une histoire. Pays a pris, mais nous avons une histoire. Parce que nous sommes petits, bon Dieu, nous sommes petits, bon Marie, nous avons un gros bravo pour nous dire aussi. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup, mon cher, mon ami. Merci beaucoup. Et nous allons finir avec, nous allons recevoir la bénédiction. Je vais rappeler nous, demain après-midi, je vais même rendez-vous à 4h. À 4h, je vais même rendez-vous. Je vais faire chapelet. Et je vais faire la messe, je vais faire chapelet, louange, chanter louange au mon Dieu. Et puis, je vais faire la messe. Après la messe, je vais essayer de méditer sur Marie, médiatrice de grâce. Nous comptons un événement avec Marie, médiatrice de grâce. Qui boucle toute grâce qui t'a cherché. Et après, si bon Dieu voulait, nous avons fait en possession, j'en ai fait l'année prochaine, l'année dernière, nous avons fait en possession, nous avons dit non, cherchez bougie, nous mettons là. Nous venons déjà, chaque monde est bougé déjà, ok, cherchez petit bougie, nous, donc pas chercher ça qui a brûlé, nous, il y a pas avec dans la rue, qui a gagné un vent, qui a brûlé, nous, mais chercher petit bougie qui gagne. Vers eux, à connaître à nos pour nous faire une belle possession avec Vierge. Depuis demain matin, on vient descendre en nettoyer, on va mettre là, on est capable de faire possession avec elle. Donc demain, après la messe, on va continuer à chanter le moins de monde. Jeudi matin, 15 août, c'est gros posé, à 6h30, vient la messe, à 9h, vient la messe, et à 5h, vient la messe. Trois possibilités. Mon qui lève bonnet, tu peux venir à 6h. Mon qui va lever trois bonnets, tu peux venir à 9h. Mon qui va lever trois bonnets, tu peux venir à 5h dans l'après-midi. Donc, tu peux prendre pour les doigts. Tu peux prendre pour les doigts. Et après-midi, je vous dis bitou merci. Je vous dis dernier merci. Bitou d'y aller avec moi. Pour t'a chercher 40 chaises. Nous avons ajouté 40 chaises supplémentaires, et ça fait nous, parce que tout le monde chita après-midi. Donc, nous montons dans la salle de convention, nous venons avec eux, nous montons avec eux, tout l'escalier. Donc, nous avons arrangé des fois pour chaque monde, qui a un petit espace pour chita, pour nous pas dans nos mains, pour nous pas lever valise, lever ta tête. Des fois, ça arrive, oui. On a un bon titre, le chalet à chaud. On a un bon titre, le bon ouais. Il a le TV, il a une valise à chaud. Et puis, chaque fois là, il a la rançon. À qui va à la chasse, faire ça. Donc, nous allons arriver. Et mon père fait effort pour chapelle, nous avons une belle chaise. Et nous espérons l'année prochaine. On va prendre une petite anecdote. Ça fait 2 ans. On a environ
4 douzaines de chaises qui étaient commandées à l'étranger, parce que nous avons fait des petites contributions pour ça, même si ça fait balayer, mais c'était une contribution quand même. Parce qu'il n'y a pas même moitié dans ça qu'elle a dépensé. Mais nous avons acheté chez eux, nous voyons nos bateaux, nous disons que nous avons fait un petit temps, nous avons retourné sur le bois pour nous. Chaque mois, il est venu en quoi avec l'équipe, et on y va répondre. Donc, par contre, c'est aujourd'hui, mais on a fait une photo, on a l'autre commande Jacmel, par le petit chez ça, et si on voulait contribuer, on a fait bien l'église, parce qu'il est arrivé à un petit chez nous, et on a gagné. Donc, on a fait bien le boom dans l'église, et on a fait une commande tout, et on a pas trouvé quelque chose pour marcher, comme dit, non. Donc, il y a un peu passé l'église dans la chaise, il y a. Et puis, il faut passer, il faut être acheté, il faut acheter, il faut passer à l'époque. Il faut acheter les numéros, on va être en juin. Mais après ça, on n'a pas besoin d'une belle chaise pour nous chita. Pour que l'université, on peut toujours prêter, on n'a pas besoin de chita. Donc, c'est comme ça. Au fur et à mesure, on a grandi et on a frappé. Donc, chaque dimanche, je fais de la messe à 10h. Et après-midi, à 4h, il y a une adoration, à 5h, toujours la messe, chaque dimanche, à 10h, entre 4h et 5h, il y a la messe dans l'église. Donc, à toujours, on vient la prière ensemble avec nous. Donc, on timide, moi, les pères aussi, on timide, on vient. Donc, timide, qui est dans la tête, nous, pères aussi, on a mis ça d'ailleurs, pour nous, on dit, accueillir tout le monde. Alors, il nous faut dire, chapelle Notre-Dame, son chapelle bourgeois. Et on fait le monde de ça, on fait le chapelle là, on fait le monde de ce chapelle bourgeois. C'est chapelle tout le monde, c'est quoi chapelle bourgeois? Moi, on fait pour moi, bourgeois. Bourgeois, les mamans, on est de presse. Nous-mêmes, nous les convenons, hein, nous venons dans le chapelle là, quand on est marié, on est marié à accueillir tout le monde. Hein. On va garder sortir du monde pour nous accueillir, tout le monde. Et nous, non, nous nous mettons bien, nous faisons venir dans l'escalier avec les olives. Hein, joli tout là? Voilà, joli, c'est la fête femme, ouais. Donc c'est dans le monde qui aime l'église, hein? Donc on a toujours aimé ouais, tout le monde, et Timounio, on aime en pile, donc tout le monde est déplacé dans la chapelle de Notre-Dame. Mon mari, le rouler pour accueillir tout le monde. Hein? Tout le monde. Donc je dis encore merci pour la présence. Donc dès que vous avez là, je demande à Ronald ou bien Christian, en ce moment, on ne peut pas vous envoyer. Sauf que vous êtes. Il est là déjà. Il y a tout le monde qui vit pour les peuples avant l'eau. Et même les dix chorales la merci qui comptaient au grand pour nous. On applaudit au revoir. Pour bien les positions de la main. Et le premier pour nous. On s'est mis en train de recevoir et de vous faire moins pour vous visiter. À notre compagnie pour recevoir l'élection. Merci d'avoir. Monsieur Bell, qui était invité moi pour me célébrer la foi moi avec nous l'après-midi à la chapelle Notre-Dame pour l'Assomption. C'est toujours comme ça, ça fait chaque année. C'est toujours aller faire la messe pour nous dans la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours à la fond. Et moi-même, je suis venu ici là. Donc, merci parce que vous avez invité moi. On peut toujours collaborer, travailler ensemble. Donc, chacun d'entre vous qui est venu participer, merci pour l'accueil que nous devons moi dans notre rentrée chapelle. Au nom de cet événement, pour qu'on puisse recevoir la bénédiction de ce qui est nommé bon Dieu par nous. Bon Dieu, nous mène là avec nous tous. C'est pour bénédiction, bon Dieu, qui gagne tout pouvoir. Papa, petite là, avec l'Esprit Saint. Descends sur nous pour l'été tout le temps. Allez à cœur content. Merci, mon Dieu, merci. Bonne soirée, bonne nouvelle, déjà bonne fête, Notre-Dame de l'Assomption. Merci, mon Père. Merci.